Alléluia. À Jésus. Oh. Yelebos. Sadanana bababa. Minderobos. Sabana bababa. Ebradanaba. Chevrodos. Sabranadanadanada. Alléluia. Malele brachana bababo. Sabranadada. Imranalea. Bradanaba bababa. Mirabos. Sabranele bra. Iarobos. Shibranadanaba. Indele prada lava, yera baba, yara baba, yara badele yabrusa, kia prada baba. Commence à prier, bien-aimé. Tu es connecté, entre dans la présence de Dieu. Like la vidéo, entre dans la présence de Dieu. C'est dans des moments pareils que le miracle de Dieu arrive dans ta vie. Commence à prier. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Rentre directement dans la prière. Rentre directement dans la prière. Rentre directement dans la présence de Dieu. Like la vidéo. Tu regardes, bien-aimé, le pouce. Et tu cliques le pouce et on avance. Shalababosha. Kekerababa. Mandolia bradelesa. Lusha bradade. Lato la bradadada. Irabosha bradadada. Mintele bradele bradadababa. Hallelujah. Hallelujah. J'entends quelqu'un inviter le Saint-Esprit. J'entends quelqu'un dire au Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps. J'entends quelqu'un prier et dire, Saint-Esprit, je te recommande ces instants. J'entends quelqu'un prier et dire, Saint-Esprit, je te recommande ce moment. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de ma langue. Prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ces instants. J'entends quelqu'un prier et prier pour que l'Esprit de Dieu puisse contrôler ces instants. Que l'Esprit de Dieu puisse diriger toutes choses. Que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de toutes choses. J'entends quelqu'un lever sa voix. Shabarababosha. Yerade babosha. Mandalia broche. Katolia brade. Malusha balete. Malunde telabro. Malosha brade. Ikanili maloshi brai. Uka maluse. Malondili. Malosha bradada. Ikama. Malote lebradada. Malu brade leche. Malu tola bradade sa. Akarabo shabradada. Minde lebra. Yusha bradada. Ika bradada. Maloche bradada. Ikarababa. Au nom de Jésus Christ. 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 Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. In the mighty name of Jesus. Bien aimé, partage le lien. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés ici. Va, chère modératrice, allez et partagez dans le commentaire les nouveaux liens. Que les gens cliquent les nouveaux liens et qu'ils soient directement connectés dans ce nouveau lien. S'il vous plaît, faites cela. Dites à quelqu'un, allez dans l'ancien, n'est-ce pas, l'ancienne connexion. Et dites à quelqu'un que nous sommes déjà là. Dites à quelqu'un que nous sommes là. Partagez le lien. Malo bradadababa. Chandelebe. N'envoyez pas seulement le lien, mais envoyez un message. Cliquez sur le nouveau lien. Kalo bradadababa. Chandelebre de rebo shabrada. Et hallelujah. Hallelujah. Allez baba au shabrada. Shadeleve shadabababa. Mandola babo shabradadada. Ni pierra baba. Rabo shabradadada. Malade de bosha. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Cette nuit, je ne louperai pas ma visitation. Cette nuit, je ne louperai pas ma visitation. Je ne louperai pas ma visitation. Ikarababa. Ikarababa. Yarababa. Manderebosa. Ikaradalebrase. Malusha bradadada. Malete kerababa. Malotoliabra. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ta gloire. Glorifie le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même. Mais tu prendras tout ce qui est en Christ. Et nous l'annoncerons. Malitele. Mundarababa. Yakerabosa. Ikarababa.
Marlo Shebranaga, viens l'Esprit de Dieu, élève le nom de Jésus-Christ, élève le nom de Jésus-Christ. Shanabranababa, Mandorobo Shabrana, Ikarababa, Malo Prateléa, in the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, j'entends quelqu'un prier avec moi. Tu vas prier que Dieu puisse te revêtir des armes. Tu vas être revêtu des armes spirituelles. Oh my God! Oh my God, tu viens de te connecter, prépare les éléments de service. Tu vas prier pour que tu sois revêtu des armes spirituelles. Tu vas prier pour que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Tu vas prier pour que tu sois revêtu de l'onction de Dieu. J'entends quelqu'un lever sa voix et commencer à prier. Dis Seigneur, revêt-moi des armes spirituelles. Prie pour qu'il y ait une couverture des anges les plus puissants de Dieu, que les anges les plus puissants de Dieu rentrent en action. Prie pour que la couverture de Dieu soit sur ta vie. J'entends quelqu'un élever sa voix. Shabababababa, shadadabababa, yarabababa, malarebosha, malabradala, yaradele, sabradele, malabradeleba, maletelebradala, malochebradala, mindelebrada, tatelebrosha, yarabase. Rêve-moi de l'autorité, rêve-moi de la couverture spirituelle, rêve-moi des armes de Dieu, marade de Bosha. Kandarabababa, Maradanababashe, Radanababa, Radanababa, Yarabababa, Yagadabosha, Yarabababa, Yoradebosha, Yakatirababu, Yandarabababa, Rêve-moi de jambes, Yabradebosha, commence à prier, rentre dans la prière, dis Seigneur, je veux être revêtu, et Karababa, Yarabadesa, Yatolabra, Mandalabra. Bien-aimé, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Entre dans la prière. Ne sois pas distrait à écrire, mais rentre dans la prière. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. Commence à liker la vidéo et rentre dans la prière. Yarababosha, Yakanteleba, commence à prier. Du Saint-Esprit, rêvez-moi d'autorité, rêvez-moi de puissance, rêvez-moi des armes de Dieu. Je veux être revêtu des armes de Dieu. Je veux être revêtu des armes spirituelles, des armes pour le combat, les armes pour le combat, les armes pour le combat. Saint-Esprit de Dieu, rêvez-moi de l'autorité de Dieu. Rêvez-moi de l'autorité de Dieu. Couvre-moi par le sang. Couvre-moi par le sang. Couvre-moi par le sang. Le sang de Jésus. Que les anges du combat, les anges dédiés pour ma victoire, les anges dédicacés pour ma victoire, rentrent en scène. Je libère le ministère des anges. 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 Maintenant, je libère le ministère des anges dans ma vie. Je libère le ministère des anges au nom de Jésus-Christ. Alors que j'entre dans ce nouveau mois, je libère dans ma vie le ministère des anges. Je libère dans ma vie le ministère des anges. Les anges de Dieu, les anges les plus puissants, les anges les plus puissants. Yahweh, mon Dieu, que je ne puisse pas combattre seul, que je ne puisse pas entrer seul dans ce mois, mais que j'entre dans ce mois avec les anges, dans le nom de Jésus-Christ. Comme Moïse a déclaré, ne nous laisse pas quitter ici, ne nous laisse pas partir d'ici. Si toi-même, tu ne marches pas avec nous, si toi-même, tu ne marches pas avec nous, Yahweh, je viens libérer le ministère des anges, libérer le ministère des anges en ma faveur. Je viens libérer le ministère des anges en ma faveur. J'entends quelqu'un prier. Alabra da baba, shada baba.
Manalaba, j'entends quelqu'un monter. Tu es connecté, like la vidéo et avance dans la présence de Dieu. Et avance dans la présence de Dieu. Commence à prier. Que l'éternel Dieu libère le ministère des anges. Libère le ministère des anges pour ce mois d'enfantement. Pour ce mois d'enfantement. Tu ne peux pas entrer dans ce mois sans les anges de Dieu. Sans l'action des anges de Dieu. Sans la puissance des anges de Dieu. Lève les mains dans le Seigneur. Commence à prier. Que les anges, que le ciel déploie. Les anges les plus puissants. Les anges de la délivrance. Les anges de la délivrance, que les anges de Dieu entrent en scène, Oh my God, bien aimé dans le Seigneur, n'écris pas, commence à prier, n'écris pas, ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Ici, nous ne sommes pas en train de prier pour toi seulement, mais nous sommes en train de prier avec toi, nous sommes en train de faire de toi un soldat. Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. Si tu ne cherches pas Dieu, personne ne cherchera Dieu à ta place. Si tu ne sais pas élever ta voix, personne ne le fera à ta place. Si tu ne combats pas pour toi, personne ne le fera à ta place. Alors lève-toi, lève-toi. Tu es comme cet homme qui souffrait pendant 38 ans. Il était couché, il ne pouvait pas s'élever. Jésus-Christ n'a pas demandé d'explication. Il a dit lève-toi, prends ton lit et marche. Si tu ne te lèves pas, personne ne s'élèvera à ta place. Si tu ne prends pas ton lit, personne ne le fera à ta place. Si tu ne pries pas, personne ne le fera à ta place. Tes combats, ce n'est pas le combat de ton voisin. Tes combats, ce n'est pas le combat de l'apôtre Joël. Tes combats sont tes combats. Alors tu dois t'élever pour tes combats. Tu dois t'élever pour ta victoire. Tu dois t'élever pour tes miracles. Alors lève-toi dans la prière. Lorsqu'il faut prier, il faut prier. Il ne faut pas écrire. Lorsqu'il faut chercher Dieu, il faut chercher Dieu. La la ba ba wo sha. Hey ma la bra la la ba. Hey Yahweh. Libère les anges. Libère les anges les plus puissants. Libère les anges les plus puissants. En ma faveur. Libère les anges les plus puissants. En ma faveur. Yahweh. 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 Libère les anges, le plus puissant Yahweh. Je ne vais pas entrer dans ce mois. Si toi-même, tu ne te lèves pas. Si toi-même, tu ne te lèves pas. Yahweh, lève-toi. 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 Lève-toi Yahweh. Lève-toi Yahweh. Lève-toi Yahweh. Libère l'action des anges. Libère l'action des anges. Libère l'action des anges. Les anges de Dieu. Les anges les plus puissants. Les anges le plus redoutable, les anges le plus redoutable, les anges le plus redoutable, l'armée de Michaël, 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 que l'armée de Michaël soit déployée, que l'armée de, aïe, 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 que l'armée de Michaël soit déployée en ma faveur, Yahweh, 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 libère, déploie l'armée de Michaël en ma faveur, Yahrababa, Sharababa, Yahrabalanaga, Yahrabo Shabanaga, Yahrabalaba, Yebrana Esha, Ekarababa, Ekarababa, Ikarana, Yahrababa, que l'armée de Michaël soit déployée. Soit déployé en ma faveur. Yahweh libère. Yahweh libère. Les anges les plus puissants. Je te le demande, Yahweh. Je te le demande, Yahweh. Pour mon cas, Yahweh. Pour mon cas, Yahweh. Pour mes combats, Yahweh. Libère l'armée des anges mitoyens. Qu'il rentre en scène. Qu'il rentre en scène. Qu'il rentre en scène. Qu'il rentre en scène. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Bien-aimé, ce n'est pas l'heure d'écrire. Pendant que tu es en train d'écrire, qui est en train de prier pour toi? Bien-aimé, lève ta voix. Il s'agit de tes combats. Il s'agit de tes victoires. J'entends quelqu'un prier ici. Shalababa. Que l'armée de Michaël soit déployée. Que l'armée de Michaël soit déployée. Que l'armée de Michaël soit déployée. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Partagez le nouveau lien dans l'ancien lien.
partagez parce que je vois encore il y a des gens qui sont connectés, qui sont restés là. Partagez le nouveau lien. Dites à quelqu'un, partagez le lien et envoyez un message avec deux flèches. Cliquez sur ce nouveau lien pour être connecté. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que vous êtes connecté avec moi, nous allons commencer maintenant à consacrer tout le service. Nous allons consacrer tout le service. Toi qui viens de te connecter, commence à liker la vidéo. Regarde le pouce et clique sur le pouce. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Shalababosha. Nous allons commencer à consacrer le service maintenant. Maintenant. Alors que tu as tes services devant toi. Alors que tu as l'huile. Alors que tu as la sainte selle. Alors que tu as l'eau. Alors que tu as la terre. Alors que tu as le manteau. Nous allons consacrer le service. Maintenant, Yahweh Adonai, je viens, Seigneur, par l'autorité que tu m'as investi, et tant que ton serviteur est revêtu de ta puissance, je viens consacrer ces éléments. Je consacre ces éléments. In the mighty name of Jesus, je consacre. Keraba, Yarababosha. Je consacre tous les éléments de service. Je les consacre maintenant par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ. Je viens, Yahweh, et tant que ton serviteur, je viens consacrer tous ces éléments maintenant par le feu, par le fire, par le fire. Par le fire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ces éléments soient de fire, soient le feu de Dieu, qui soit déployé au nom de Jésus-Christ, que ces éléments soient un jugement contre les œuvres du diable, contre les œuvres des sorciers, au nom de Jésus-Christ, que ces éléments soit une arme redoutable entre nos mains, une arme redoutable entre nos mains. Oh my God, oh nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ces éléments soient une arme redoutable entre nos mains, entre les mains de l'Éternel. Yahweh, lève-toi Yahweh, et manifeste ta gloire, que ces éléments soient une arme redoutable entre nos mains, que ça fasse tomber les œuvres de l'ennemi Satan, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Yahweh Adonai, lève-toi, Seigneur, et manifeste ta gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prendre ton manteau prophétique. Tu vas mettre un peu d'huile sur ton manteau prophétique. Shabbat, tu vas mettre un peu d'huile sur ton manteau prophétique. J'entends quelqu'un faire ce service. Tu mets un peu d'huile sur ton manteau prophétique. Shalababababa. Tu oins un peu ton manteau. Oins ton manteau. Shalababababa. Kerabashé. Après, tu prends l'huile onction. Tu mets dans la terre. La terre que tu as. Que tu as préparée pour le service. Tu prends l'huile onction. Tu mets dans la terre. Shababa, Kerababa, Ekarababa, Shebrananaba. Pendant que tu fais ça, tu es en train de parler, de proclamer. Voici ma terre. Voici, ça c'est la terre de ma maison. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de proclamer. Mets-lui l'onction dessus et commence à parler. Shababo, Shabranana. Après avoir fait cela, tu prends une goutte d'huile. Tu mets ça sous ta langue. Tu mets ça sur ta langue. My God. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons entrer dans la prière. Est-ce que quelqu'un est prêt? Si tu es prêt, tu écris c'est prêt. Tu écris seulement c'est prêt, on avance. Si tu es prêt, tu dis je suis prêt. Je suis prêt, puis on avance. Caramo, Shabranana. Si tu es prêt, tu écris je suis prêt, on avance. Prêt. Tu écris prêt, on avance. My God. Hey,
Si c'est prêt, si tu le fais, commence à prier, rentre dans la présence de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Mandala bradada, commence à prier, commence à déclarer, commence à prier, commence à déclarer. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, si tu écris, c'est prêt, tu avances maintenant. Je veux te voir agir, je veux te voir réagir, je veux te voir liker, je veux te voir écrire. Écris seulement prêt, et puis on avance. Malote la brota liana la baba, yikama la brocha, yarabo sabranala. Tu peux parler en langue, si tu pries en langue, là où tu es, tu peux parler en langue. Tu peux poser ton manteau sur ta tête. Maintenant, maintenant, alléluia, 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 alléluia. Sharabababababa. Ikarababa, yara telebosa, ikaratanala, yara baba, manana bosa brada. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, commence à prier, commence à prier. Élève ta voix maintenant. La puissance de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, l'onction de Dieu est là, l'onction de Dieu est là. Commence à prier, élève ta voix maintenant. Shababa, déclare Seigneur, remplis-moi de ton autorité, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton autorité, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton autorité, remplis-moi de ta puissance. Maintenant, 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 maintenant. J'entre dans le surnaturel. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'entre dans le surnaturel. J'entre dans le surnaturel. Avec un Dieu. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Rentre dans le surnaturel. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Shababababa. Yaradalababa. Yekenabasa. Bana lebradala. Ikabrata lebra. Yushabradala. J'entre dans le surnaturel. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu prends ton verre d'eau. Alléluia. Tu prends ton verre d'eau. Alors que tu as ton verre d'eau dans ta main, je déclare dans le nom de Jésus que cette eau soit sanctifiée, que cette eau soit sanctifiée, que cette eau devienne le sang de Jésus-Christ, 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 que cette eau devienne le sang de Jésus-Christ. Maintenant, 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 que cette eau devienne le sang de Jésus. On a goutte d'onction, une goutte d'onction dans ton verre d'eau. Maintenant, Shababosha, Eranababa, Shadanababa, Eranababa, Ekabranadesa, Erabanada, Ibratelebra, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Bien-aimé, alors que tu entends le son de ma voix, tu vas prier que tes autels, que tes sacrifices, les dieux de souvenirs, tu vas aller dans le souvenir avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a quelque chose qui va provoquer ton accouchement prophétique, qui va provoquer ton enfantement, l'enfantement de ton miracle, l'enfantement de ta grâce, de ta destinée. Bien aimé, on va toucher les souvenirs. Tu vas aller prier le Dieu de tes souvenirs, des dieux de tes autels. Que Dieu se souvienne de ta foi. Que Dieu se souvienne des œuvres que tu as faites pour lui. Que Dieu se souvienne des orphelins que tu as soutenus. Que Dieu se souvienne des gens que tu as payé les études. Les personnes à qui tu as donné une éducation, que tu as aidé. Tu vas prier que Dieu se souvienne aussi de tes autels, de tes sacrifices. Commence à énumérer ça devant la face de Dieu. Il est le Dieu de souvenirs. Nous allons toucher le premier point.
tu vas aller dans le souvenir. Tu dis, Seigneur, souviens-toi. Yahweh, souviens-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas aller dans le souvenir avec un Dieu. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de ma foi. Souviens-toi de ma vie. Souviens-toi de mes autels. Souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi de mes alliances. Yahweh, Yahweh, mes autels doivent parler. Mes sacrifices doivent parler. Yahweh, je viens dans le souvenir. Souviens-toi, Yahweh, que je t'ai consacré ma vie, ma jeunesse, mes enfants. J'entends quelqu'un prier. Lève ta voix. J'entends quelqu'un prier. Shababababa. Shababababa. Yahababa. 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 Bananessa. Erababasa. Eranerabasa. Balaba Shebra. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Yahweh, souviens-toi, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Je viens dans le livre des souvenirs. Je viens plaider ma cause avec mon avocat Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Adonai. Eh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, souviens-toi, Yahweh, de mes sacrifices, Yahweh. Souviens-toi de mes alliances, Yahweh. Souviens-toi de mes hôtels, Yahweh. Souviens-toi de ma vie, Yahweh. Yahweh, souviens-toi de moi, Yahweh. Yahweh, souviens-toi de mes œuvres, Yahweh. Yahweh, souviens-toi de ma foi, Yahweh. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, ma faveur. Lève-toi, ma faveur. Lève-toi, ma faveur. Lève-toi, ma faveur, Yahweh. Yahweh, dans les mots, ça n'y a des cartes les brosses. Pas les machines, ça n'y a des mots, ça prade. Quand la nuit, il va tôt, il va s'en. Il canine de la brasse, le cœur. Roucha, il y a des mots, de ma main. Bibi, il s'abre de l'ia, je me rachique. Balit, c'est les bras de les sabros. Il y a rada, il y a chipra, il y a caillou. Il y a de l'aider, ça n'a rien. Il y a un rabo, ça prada. Il va de les mots, je prade. Il y a cantine, il y a balayos. Que mes alliances parlent de moi.
Yahweh, je viens devant ta face, Yahweh. Ouvrir les livres de souvenirs. Yahweh, il n'a livre nous. Parlez-moi ça, j'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. C'est l'heure de la prière. Entre dans le livre de souvenirs. Il y a un Dieu qui a un livre de souvenirs. Il a un livre de souvenirs. Le livre de souvenirs va parler pour toi ce nouveau mois. Ça va crier pour toi ce nouveau mois. Ça va parler en ta faveur. Le Dieu de tes autels, le Dieu de tes sacrifices, le Dieu de ta foi, le Dieu de ta consécration, ce Dieu-là va parler. J'entends quelqu'un prier, bien-aimé dans le Seigneur, ta consécration ne peut pas rester vaine. Bien-aimé, tu te consacres à Dieu. Ça doit crier, ça doit parler en ta faveur, Entre dans les livres de souvenirs, ouvre le souvenir avec Dieu, que tes autels, que tes sacrifice, que ta foi, que ta fidélité à Dieu, que tes dîmes parlent, que tes offrandes, que tu donnes avec un cœur sincère, en reconnaissant la grandeur de Dieu, que ça crie en ta faveur. Bien-aimé, ça doit parler en ce nouveau mois, ça doit parler. La Bible dit, tu recevras la pluie de l'arrière saison, que la pluie de cette saison est la pluie de l'arrière-saison, que tes autels, que tes sacrifices, que tes alliances que tu as fait devant Dieu, que ta consécration, que tes œuvres, tu as soutenu des orphelins, tu soutiens l'œuvre du Seigneur, tu es partenaire dans l'œuvre du Seigneur, ça doit parler en ta faveur. J'entends quelqu'un prier. Yahweh, il y a un Dieu de souvenirs. Malébra dans les bosses. Parababa. Shalababa. Galia brosa. Erababa. Mandababa. Shalababa. Erababa. Yarababa. Yekerababa. Yarabada de la basse. Bato rabote kera. Yarate la mantiliebra. Que ça parle. Ça doit parler, bien-aimé. Cite ça devant Dieu. Tu ne l'as pas fait pour un homme, mais tu le fais pour Dieu. Fais-le encore. Prie encore. Déclare encore. Ça doit crier. Yalla de l'écarté. Yarebo, ça de l'éleva. Yahweh. Yahweh, lève-toi. Que mes sacrifices, que mes alliances parlent devant ton trône de grâce. Eh, Yarababa, que les bosses. Yahweh, lève-toi, Yahweh. Yahweh, combat pour moi, Yahweh. Où es-tu, le Dieu de souvenirs? Où es-tu, le Dieu qui a devant lui les livres de souvenirs? Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Yahweh? Parle en ma faveur, Seigneur. Crie en ma faveur, Yahweh. Lève-toi, ma faveur, Yahweh. Que mes ennemis soient terrassés. Lève-toi, Yahweh. Que mes persécuteurs entêtés soient terrassés. Lève-toi, Yahweh. Que les nouveaux ennemis soient terrassés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que tu es en train d'entendre le son de ma voix, je voudrais que tu puisses prendre ta terre. Prends cela dans ta main droite. Chane de l'ébra dans la main. Prends ta terre dans ta main droite. Et pendant que tu as ta terre dans ta main droite, bien-aimé, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à bénir ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, cette terre représente la nouvelle saison qui s'active dans ta vie. Bien-aimé, tu vas commencer
commencer à parler sur cette terre. Tu vas parler, tu vas bénir la terre. Les paroles que tu vas déclarer de ta bouche, ces paroles vont se réaliser. Prennent effet maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un prier, ce n'est pas l'heure d'écrire. Tu es connecté, tu commences à liker la vidéo et tu rentres dans la prière. Parle à cette terre. Parle à cette terre, parle à cette terre, parle, bénis cette terre. Bénis la terre, bénis cette terre, bénis cette terre, bénis cette terre, bénis cette terre, bénis la terre. Déclare après moi que ma terre est bénie. Ma terre est bénie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Terre, terre, écoute-moi. Tu es béni. Là où je foule la plante de mes pieds, ma bénédiction marche avec moi. Là où il y avait la malédiction dans ma vie, terre, écoute-moi. Que cette malédiction soit annulée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute personne qui a pris la terre de ma bénédiction, que cette terre se transforme en épine contre mes adversaires et mes persécuteurs entêtés. Terre, écoute-moi. Terre, écoute-moi. Rejette toute malédiction que tu as reçue au nom de Jésus-Christ. Terre, écoute-moi. Terre, écoute-moi. Toute personne qui t'a utilisé par des rituels maléfiques contre ma vie, que ces rituels maléfiques retournent à l'envoyeur. Retournent à l'envoyeur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Terre, écoute-moi. Dieu t'a donné. Il t'a donné comme héritage à tous ceux qui sont fils de Dieu, à tous ceux qui sont filles de Dieu. Alors, terre, je suis ton Seigneur. Je parle en tant que ton Seigneur. Je déclare que les malédictions de ma famille, les malédictions de la famille de mon père, qui était en train de me poursuivre, terre, écoute-moi, renvoie cela à l'envoyeur. Renvoie cela à l'envoyeur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare partout où je foule la plante de mes pieds, partout où je foule la plante de mes pieds, terre, écoute-moi, écoute-moi. Tu me seras donné en possession au nom de Jésus-Christ. Je piétine les œuvres de la sorcellerie. Je piétine les œuvres de la sorcellerie, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute personne qui vient ensorceler ma vie, qui vient combattre ma vie, terre, écoute-moi, que ce combat retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, on cherchera à voler ma terre de bénédiction, ma terre d'ouverture, ma terre de percée. Personne ne le fera. Au nom de Jésus-Christ, quiconque s'élèvera contre moi, terre, avale cette personne. Terre, avale cette personne. Quiconque se lèvera contre mes percées, contre mes bénédictions, terre, avale cette personne. Terre, avale cette personne. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Terre, écoute-moi. Tu me produiras. Tu me produiras des succès. Tu me produiras de la graisse. Je mangerai ton meilleur fruit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, quiconque combat ma vie, quiconque s'élève contre ma vie, terre, écoute-moi. Terre, écoute-moi. Terre, écoute-moi. Avale cette personne. Avale cette personne. Au nom de Jésus-Christ, j'ouvre la bouche. J'ouvre la bouche de la terre. De la terre. Contre tout oppresseur entêté. Contre tout oppresseur entêté. Contre tout oppresseur entêté. Maintenant, que la terre l'avale.
My God, in the mighty name of Jesus Christ, oh nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la terre avale toute personne qui s'élèvera, je dis bien, tout oppresseur entêté qui s'élèvera contre ma destinée glorieuse, que la terre l'avale en ce nouveau mois de l'enfantement, que la terre m'enfante la bénédiction au nom de Jésus-Christ, toutes mes bénédictions qui étaient retenues sous la terre, Yahweh, Yahweh, que la terre relâche mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Terre, je te commande maintenant, je te commande maintenant, au nom de Jésus-Christ, relâche, relâche, relâche mes bénédictions, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute personne qui a pollué ma terre. Eh, Yawababo, Shali, Kema, Ayamanduli, Abrasa, Yarabo, Shalalala. Toute personne qui a déposé des urines maléfiques, qui a déposé des matières fécales maléfiques sur ma terre, tout rituel qui a été fait avec des urines, avec des choses bizarres, avec des poupées, avec des cornes, avec des sangs humains, avec des sangs d'animaux, tout rituel maléfique qui a été fait sur la terre contre moi, contre ma vie, contre ma famille, maintenant, soit annulé, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, 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 toute malédiction qui marche contre moi, qui marche contre moi, qui marche contre moi, que la terre a avalé, tout enregistrement maléfique que la terre a avalé contre moi, soit annulé, 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 oh non, puissant et précieux de Jésus-Christ. Continue dans la prière. Continue dans la prière. Continue maintenant. Avance encore. Avance encore. Parle à la terre. Hey. My God. Parle à la terre. Parle à la terre. Chali Badana Baba. Kaliya Mandoria Shabra. Ou rabat, malite la bosse, parle à la terre, parle à la terre, parle à la terre. Cabra dans la baba, j'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier. C'est l'heure de parler à la terre. Parle à la terre, parle à la terre. Que tout ce que la terre a avalé, tout ce que la terre a avalé contre toi, toute commande maléfique que la terre a reçue contre toi, toute personne qui marche sur tes richesses, toute personne qui marche sur ta terre, toute personne qui marche sur ta terre, bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui marche sur ta terre, tu vas annuler cette malédiction-là, tu vas briser ça, tu vas retourner ça à l'envoyeur. Toute personne qui marche sur la terre de ton village, il utilise la poussière de la terre de ton village pour t'atteindre, pour te mollir. Que cette personne soit localisée par le feu, soit localisée par l'ouragan de feu, soit localisé par l'ouragan de feu. Shababababa. Peyakarababa. Shalababa. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Shabababa. Derebaba. Yekarababa. Shandalababa. Mandelebra de lebosha.
au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne joue pas. Ne joue pas ce nouveau mois. Ne joue pas. Yakarababa. Chandarababa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chababababa. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chababababa. Yarababa. Yarababa. Ekerababa. Chararababa. Ekerabalosha. Au nom de Jésus-Christ. Que la terre parle en ta faveur. Que la terre parle en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. 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 Sharababa. Ikarababa. Yarababa. Au nom puissant. Au nom puissant. Et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant. Et précieux de Jésus-Christ. Et Yarababa. Yarababa, Yarababa, Yeterebosa, Analababa, Shiketerebosa, Ikarababa, Ikarababa, Yandalaba, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, la terre de ce nouveau mois doit te produire, doit t'enfanter quelque chose. Oh my God, oh my God, oh my God, quelqu'un avec moi ici. Commence à prier. Yes. Yes. Quelqu'un avec moi ici. Commence à prier. My God. La terre de ce nouveau mois. La terre de ce nouveau mois. Doit te produire. Doit t'enfanter quelque chose. Doit t'enfanter quelque chose. My God. Il doit t'enfanter quelque chose. Il doit t'enfanter quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la terre de ce nouveau mois t'enfante. Déclare ce que tu veux que la terre de ce nouveau mois t'enfante. Déclare cela. Déclare cela. Au nom de Jésus, cette terre doit t'enfanter des choses. Commence à prier, ce n'est pas l'heure d'écrire. Commence à prier que la terre t'enfante de miracles. Que la terre t'enfante de miracles. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la terre t'enfante de miracles. Que la terre m'enfante 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 de miracles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et Yarababa. Et Yarababa. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, je déclare que la terre m'enfante de miracles. Que la terre m'enfante de miracles. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que tu entends le son de ma voix. Alors que tu entends le son de ma voix. Alors que tu entends le son de ma voix. Tu prends ton porte-monnaie. Tu prends ton porte-monnaie. Tu mets l'huile d'onction sur ton porte-monnaie. Tu mets un peu d'huile d'onction sur ton porte-monnaie. Yes. Tu oins ton porte-monnaie. Tu oins ton porte-monnaie par l'huile d'onction. Fais-le très bien. Tu oins ton porte-monnaie par l'huile d'onction. Shanababababa. Oins ton porte-monnaie par l'huile. Oins ton porte-monnaie par l'huile d'onction. J'entends quelqu'un prier. Prends ton porte-monnaie. Tu oins ton porte-monnaie par l'huile d'onction. As-tu pris ton porte-monnaie? As-tu oué ton porte-monnaie par l'huile d'onction? Nous allons maintenant prier. Alors que tu as ton porte-monnaie dans tes mains, tu vas maintenant prier, bien-aimé dans le Seigneur, que toute personne qui a touché à tes finances soit frappée par les tonnerres de feu. Que toute personne qui a mis sa main sur tes finances pour bloquer tes sources soit frappé. Tu vas libérer l'ouragan de feu. Tu vas libérer l'ouragan de feu. Tu vas libérer l'ouragan de feu. Bien aimé, ce n'est pas l'heure de crier. Je m'étonne que nous sommes en train de faire des services et pendant que nous faisons des services, toi tu es en train d'écrire. Je ne sais pas ce que tu écris.
je ne sais pas ce que tu écris. Pendant que nous sommes en train de faire des services aussi puissants pour provoquer l'enfantement, pour provoquer l'enfantement, l'enfantement prophétique de ta délivrance, de ta destinée, bien-aimé, tu es en train d'écrire. Est-ce que quelqu'un avec ma chine? My God, as-tu pris ton porte-monnaie? Prends ton porte-monnaie. Où es-tu donc sur ton porte-monnaie? Chanalabababa. Et pendant que tu es en train de faire cela, tu es en train de proclamer, je récupère mes finances que le diable a volées. Je récupère en ce mois d'enfantement que ma destinée glorieuse financière soit accouchée maintenant. Chabababababa. Yarababa. Chanababa. Et Yarababa. Et Yarababa. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant. C'est lui qui touche à mes finances. C'est lui qui touche à mes finances. Sois frappé. Sois frappé. Sois frappé. Sois frappé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit frappé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il lâche ma vie. Et Yarababa. Et Yarababa. Et Yakarababa. Yarababa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je viens prier pour mes finances. Je viens prier pour mes finances. Yarababa. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Tu y as dit dans ta parole. Tu y as dit dans ta parole. Que Yarabosha. Que nous serons la tête. Yarabosha. La tête. Et non la queue. Nous serons le premier. Et non le dernier. Yahweh, Yahweh, j'appelle l'enfantement, l'enfantement du miracle financier, du miracle financier. La Bible me dit, le juste ne vivra pas selon la conjoncture, le juste ne vivra pas selon son temps, mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. Yahweh, partout on a placé mes finances, partout on a placé mes finances, je viens récupérer mes finances, je viens récupérer mes finances, au nom de Jésus-Christ, toute poursuite financière de l'État contre ma vie, toute poursuite financière de l'État, de l'administration contre ma vie financière, maintenant, je le repousse, je le brise, je le détruis, tout décret maléfique contre mes finances, je le brise, je le détruis, au nom de Jésus-Christ, je brise la malédiction financière de la famille de ma mère, de la famille de mon père. Quiconque a volé les finances de la famille de mon père, de la famille de ma mère, maintenant, soit localisé, je libère mes finances, je libère mes finances. Partout où les portes étaient fermées, j'ouvre ces portes par le fire, par le fire, par le fire, par le fire, par le tonnerre de feu, par le tonnerre de feu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, je brise toute malédiction financière, au nom de Jésus. J'entends quelqu'un prier. Ce n'est pas l'heure d'écrire, cher ami, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Brise la malédiction financière, brise en ce nouveau mois. Tu vas recevoir ce qui est à toi. En ce nouveau mois, les finances doivent parler en ta faveur. En ce nouveau mois, les finances doivent parler en ta faveur. En ce nouveau mois, tu vas récupérer ce qui est à toi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, celui qui a volé tes biens, celui qui a voûté tes finances, soit maintenant frappé. Soit maintenant frappé. Je libère. Oh yes. Je libère mes finances des prisons sataniques de la famille de mon père. Je libère mes finances des prisons sataniques de la famille de ma mère. Je libère mes finances au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, 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 quiconque osera à toucher à mes percées financières, qu'ils soient localisés, qu'ils soient fracassés, qu'ils soient foudroyés par le tonnerre de feu. Au nom de Jésus-Christ, je libère mes finances volées. Au nom de Jésus-Christ, tout démon voleur des finances, voleur des opportunités, voleur d'étoiles, au nom de Jésus-Christ, qui soit localisé, frappé, au nom de Jésus-Christ, je brise toute limitation financière. J'entends quelqu'un prier.
J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un lever sa voix. Commence à briser les limitations financières. Commence à briser les limitations financières. Commence à briser les limitations financières. Qui t'a limité? Qui a dit que ce mois, que cette année, tu ne toucheras pas telle somme? Pendant que tu prends ton porte-monnaie, tu brises les limitations financières. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Il ne vivra pas par rapport à son salaire. Il ne vivra pas par rapport à ses revenus. Mais il vivra par la foi, par la bénédiction financière de Dieu. Il vivra par la foi. Dieu est capable de t'ouvrir d'autres portes. Au nom de Jésus-Christ, libère maintenant la bénédiction financière dans ta vie. Que ça te localise, que la bénédiction financière te localise. Tout sorcier qui est jaloux de tes percées financières, qu'il soit frappé. Que la terre s'ouvre, la terre l'avale. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu vas ordonner la promotion financière. Tu vas ordonner la promotion financière. Les affaires que tu feras vont marcher. Les affaires que tu feras te ramènera des millions. Tu vas monter des niveaux. Tu vas monter des niveaux. Je suis en train de proclamer l'onction. L'onction de Dieu. L'onction financière. Pour faire de toi un milliardaire. Faire de toi des millionnaires. Faire de toi un bien-aimé. L'abondance, l'abondance. Dieu est capable de te les donner. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas de la prétention. C'est de la foi. Dieu est capable de te donner, de t'ouvrir des portes. Il est capable de fructifier tes bénéfices. Il est capable de multiplier tes savoirs. Il est capable maintenant, au nom de Jésus-Christ, Dieu fait de toi une source de bénédiction. Toute personne qui a pris un billet qui t'appartient, tu lui as donné avec un bon cœur. Il a pris ses billets, il a amené ça dans la sorcellerie. Toute personne qui est jaloux de tes percées, qu'il soit membre de ta famille restreinte ou de ta famille élargie, qu'il soit membre de la famille de ton père, de la famille de ta mère, qu'il soit localisé, foudroyé. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit localisé, foudroyé. Bien-aimé, tu es en train de faire des pertes d'argent. Tu fais des pertes d'argent. Tu es en train de monter financièrement. Et pendant que je suis en train de parler, tu es en train de baisser. Tu es en train de perdre. Bien-aimé, qui est derrière ça? Qui est derrière ces pertes? Qui est derrière ces blocages? Qui est derrière cette régression? Bien-aimé, qu'il soit localisé. Que cette personne, oh my God, que cette personne soit localisée, soit foudroyée. Bien-aimé, ce n'est pas l'heure de crier. Je ne sais pas, tu écris pour qui? Il s'agit de tes finances. Je ne comprends pas, cher ami. Quand il faut prier, il faut prier. Quand il faut prier, il faut prier. Nous, la prière révolutionnaire, c'est une armée, pas une maternité. Nous formons des soldats. Nous ne te maintenons pas bébé spirituel. Rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans la prière. Commence à libérer tes finances. Qui a dit que toi, tu ne peux pas toucher l'argent plus que ton père? Qui a dit que toi tu ne peux pas toucher l'argent plus que ta mère? Qui a dit que toi tu ne peux pas toucher l'argent plus que le membre de ta famille? Qui a maudit tes mains? Qui a maudit tes avoirs? Qui a ordonné ta vie à la sécheresse? Qui t'a limité à de certaines sommes? Bien-aimé dans le Seigneur, commence à briser ces limitations. Quiconque a touché tes finances, maintenant, il va être localisé. Il va être localisé. Il va être foudroyé. Foudroyé maintenant. Foudroyé maintenant. Foudroyé maintenant. Fire! Ah, monte encore, monte encore, monte encore. Sois dans la sainte colère. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Chez moi, doit t'enfanter des richesses. Doit t'enfanter des richesses. Doit t'enfanter des avoirs. Doit t'enfanter des richesses. Au nom de Jésus-Christ, tu vas monter des niveaux. La Bible dit que Dieu est capable, oh my God, de te donner au-delà. Oh my God, j'entends quelqu'un prier. Oh my God. Yes. Yes. Oh my God. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour la pluie de bénédiction. Merci pour la pluie de bénédiction. Merci pour la pluie de bénédiction. Écoutez, bien-aimés. Oh yes. Oh yes. Écoute bien, bébé.
Dieu est capable de te donner au-delà de tes limites. La Bible est en train de dire. La Bible dit dans Genèse chapitre 26, le verset 12. Isaac sema dans le champ de ce pays. Et cette année-là, il récolta 100 fois ce qu'il avait semé. Le Seigneur le bénit. Ses biens augmenta sans cesse. La Bible ne dit pas que ses biens baissa sans cesse. La Bible dit ses biens. Nous sommes dans Genèse des chapitre 26. Le verset 13. En commençant même par le verset 12. La Bible dit, Isaac sema dans ce pays-là. Et cette année-là, il récolta fois 100 ce qu'il avait semé. Tu vas récolter fois 100. Voilà pourquoi ne commence pas ces mois sans sémence. Une sémence qui va se multiplier fois 100. Une sémence qui va se multiplier fois 100. Consacre ton mois. Et alors que nous faisons les services de ces mois, nous faisons ces services avec les lavements de pieds prophétiques. Ne commence pas un mois comme un païen, comme un bébé spirituel qui ne connaît pas les choses. Après avoir eu un moment comme ça dans la présence de Dieu, établis ta sémence, une sémence puissante. Isaac récolta. C'est moi, ça va m'enfanter. C'est moi, t'enfanterai une percée financière. Je pensais que je parlais à quelqu'un, my God. Je pensais que je parlais à quelqu'un. C'est la sémence qui se multiplie. C'est la sémence qui se multiplie. Oui, mon fils Christian, c'est la sémence qui se multiplie. Il dit la Bible dit, Isaac a fait quoi? Il n'a pas gardé, il a semé. Et la Bible dit, il récolta fois 100. Je prie que la dimension fois 100 soit dans la vie de quelqu'un ici. Ah, my God. Le verset 13, la Bible dit, ses biens augmenta sans cesse. Vous savez ce qui fait augmenter les biens sans cesse? C'est les sémences. Je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois faire une sémence de sang. Mais je suis en train de te dire que la sémence que tu feras va se multiplier fois 100. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Tu sais, bien-aimé, si ta famille a été maudite financièrement, toi, écoute-moi, j'ai dit toi, tu seras la première à défier cette malédiction. Parce qu'ils chercheront à savoir comment t'arrêter. Tu es inarrêtable. Pourquoi? Parce que tu connais la puissance des sémences. Oh my God. Il y a encore des bébés spirituels. Jusqu'à ce jour, on doit les expliquer c'est quoi une sémence. On doit les pousser pourquoi tu dois s'aimer. On doit les dire pourquoi tu dois faire un hôtel. Pourquoi tu dois bâtir une alliance. Oh, il y a encore des gens jusqu'à maintenant. Ils sont encore tourmentés par l'esprit des mamans. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'il n'y a rien pour rien sur cette terre. Ils ne savent pas qu'ils doivent payer un prix. Et ce que j'aime avec la parole, dans le verset 13 de la Bible dit, ce bien augmente sans cesse. Ce bien augmente. Il devient de plus en plus riche. Est-ce que nous avons la même Bible? Est-ce que nous avons la même Bible? Il y en a qui comptent des sémences. Il dit à Dieu, Seigneur, non, je le fais le mois passé, je le fais il y a 2 mois, je le fais il y a 6 mois. Ah non, je ne ferai pas. Bien-aimé, Dieu peut te compter le souffle de vie, le nombre de la respiration, le souffle qu'il te donne. Si Dieu te donne la facture, tu comprendras ça? Il est devenu de plus en plus riche. C'est la Bible. Donc Dieu est capable de te donner la richesse. On ne dit pas parce que son père l'avait laissé de l'argent. On ne dit pas parce que son père l'avait laissé je ne sais pas quoi. Non, son père l'a montré la dimension des sémences. Il y a une leçon que ma mère m'a donnée dans la foi. Quand tu as des problèmes saines, quand tu n'as pas de problème saine, quand tu es dans la joie saine, quand tu es dans la tristesse saine, quand tout va bien saine, quand tout ne va pas bien saine,
Parce que ta semence parle. La Bible dit, ces biens sont moi. Regarde comment tu commences à perdre du bien. Tu penses que Dieu a permis que tu puisses acheter des maisons pour que demain tu puisses les vendre. Tu penses que c'est Dieu ça? Ça c'est Dieu. Dieu a permis que tu puisses acquérir des biens. Bien aimé, c'est dans la volonté de Dieu que tu puisses acquérir le bien. Que personne ne te trompe. L'enfantement n'arrive pas sans semence. L'enfantement n'arrive pas. Même pour Marie, il fallait la semence du Saint-Esprit. La Bible dit, l'enfant qui naîtra de toi viendra du Saint-Esprit. Comment tu peux attendre d'accoucher sans semence? Il faut que la semence, pour qu'une femme accouche, il faut qu'il y ait la semence de l'homme. Que cette semence puisse croître. Et au 9e mois, l'accouchement arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut déclarer après. Écris. Comment tu l'as écrit avec moi? La richesse m'appartient. Dieu me donne la richesse. Isaac a compris. Il a compris ces choses. Il a dit, c'est seulement la semence. Quand je sème dans l'œuvre de Dieu, quand je sème sur une bonne terre, ça me produira. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien hypocrite qui dit, oh non, moi j'aime pas la richesse. À quoi sert la richesse? La richesse, c'est dans le ciel. Je marcherai au paradis. Je vais marcher dans l'or. Qui t'a dit ça? Que sur la terre, tu dois être pauvre. Qui a dit que sur la terre, tu dois être malheureux? Qui a dit que sur la terre, tu dois être limité financièrement? Qui a dit ça? La volonté de Dieu, c'est que tu sois riche. C'est la volonté de Dieu. Comment nous avons une église faible? Pourquoi? Parce que l'église n'a pas des hommes et des femmes riches qui sont capables de faire avancer l'œuvre du Seigneur. Qui sont capables d'investir dans des choses qui font avancer la cause de Dieu. La cause du royaume des cieux. Nous avons des chrétiens aigris. Avec un mauvais cœur, mauvais. Pendant que je prie là, pendant que j'écris là, c'est-à-dire que dans son cœur, c'est mauvais. Ils ne savent pas investir dans l'œuvre du Seigneur. Le cœur est noir. Et tu penses que l'enfantement va venir parce que tu as crié, tu as prié. Bien aimé, l'enfantement vient avec une semence. La Bible dit quelque chose de puissant. Ce bien s'augmenta. Quelqu'un peut écrire avec moi, augmentation de bien. Amplification. Dieu n'est pas le Dieu. Il a commencé à te bénir. Et à un certain moment, cette bénédiction s'arrête. Il y a un problème dedans. C'est les semences. Ah! Que le diable me prenne tout, mais pas la semence. Même avec ce que j'ai, je vais s'aimer encore. Le ciel s'ouvrira et en ce 9e mois, ta semence va se multiplier en poisson. Je parle en tant que roi de Dieu. Je parle en tant que l'ange que Dieu a établi dans ce ministère. Je parle en tant que roi que Dieu a établi. Ta semence se multipliera en poisson. My God. Oh my God. Écoute le verset 15. Le verset 14 d'ailleurs. Il possède des troupeaux, des moutons, des chèvres, des bœufs et beaucoup de serviteurs. Les Philistins sont jaloux d'Isaac. Les Philistins jaloux. Ce Philistin qui s'élèvera en ce 9e mois dans ta vie, il tombera sous ton pouvoir. Aucune jalousie ne te vaincra. Il y a des gens, toi tu es heureux d'être heureux. Mais quand ils voient comment tu vis, ils graissent les dents. Ils ne croyaient pas qu'une telle chose pouvait t'arriver. Vous savez pourquoi les gens sont jaloux de toi? Parce qu'ils pouvaient tout croire, mais ils ne pouvaient pas croire que tu pouvais arriver à ce niveau-là.
Les gens qui t'ont sali, qui t'ont détruit, ils t'ont enlevé dans le travail, ils t'ont licencié. Ils pensaient que ta vie allait finir comme je ne sais pas qui. Mais ils ont vu comment Dieu te relève. Leur jalousie ne fera rien. La semence annule, même si ton père avait vendu des bénédictions, il avait vendu la richesse, il avait vendu les mains de toute la famille dans la sorcellerie, il a volé toute la richesse. Bien aimé, les semences annulent ça. Je m'en fous que mon père soit sorcier ou occultiste. Je connais le secret. Écoute, la jalousie, la Bible dit que les Philistins, bien-aimé dans le Seigneur, que tout Philistin qui s'élève dans ta vie tombe sous ton pouvoir. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. J'ai dit que tout Philistin qui s'élève sur ta vie tombe sous ton pouvoir. J'ai dit tout Philistin, oui, 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 j'ai dit tout, oui, je m'adresse à toi. J'ai dit tout Philistin qui s'élève contre ta vie tombe sous ton pouvoir. Voilà pourquoi vous devez comprendre. Lorsque le diable commence à menacer tes semences, il menace ton avenir. Il menace ta destinée. Parce qu'il sait que le seul élément qui peut briser ses œuvres, c'est les semences, les autels, les sacrifices, les alliances. Il sait. Il se multiplie. Écoutez, la Bible dit, quand Abraham, son père, vivait, ce serviteur avait creusé des puits. Les Philistins se mettent donc à boucher tous ces puits en les remplissant de terre. Abimelech dit à Isaac, tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Pars d'ici. Tu deviendras beaucoup plus puissant. J'ai dit financièrement, vous savez. Hein? Bien aimé, il faut prier pour la bénédiction financière. Et ce qui amène la bénédiction, je parle du point de la bénédiction financière, ce qui amène la bénédiction financière, bien aimé, ce sont les semences. Quand on parle des semences, on ne te parle pas des bric-à-brac, on te parle, non, les semences, ça doit être quelque chose. D'ailleurs, David dit, je ne donne pas à mon Dieu ce qui ne m'écoute rien. L'obéissance aux ordres de Dieu, aux ordonnances de Dieu, l'obéissance à l'alliance de la dîme, les semences au-delà de l'alliance de la dîme, mais tes semences, ça te fera augmenter en bien. Le bien va s'augmenter. Et toute semence attire une jalousie. Mais l'Éternel te préserve de cette jalousie. Tu t'en fous que les gens soient jaloux. Plus ils sont jaloux, plus tu monteras. Je parle à quelqu'un, c'est né de moi. Plus qu'ils sont jaloux, plus que tu monteras. Il y a une notion de multiplication. Alors que nous consacrerons ce mois. Je ne parle pas d'une consécration habituelle. Non. Je parle d'une semence. Et je suis en train de te dire, ça sera multiplié façon. Essaye, tu verras ce que Dieu fera. Le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il y a des moyens que nous mettons Dieu à la sorte, de la sorte à l'épreuve. Seigneur, je te mets à l'épreuve. Foisson. Multiplie ma semence, foisson. Quand on dit multiplier la semence, foisson, tu vas pas dire, ah non, non, la semence, c'est quelque chose qui t'écoute. Tu ne peux pas amener devant Dieu ce qui ne t'a rien fait. Et alors, l'Éternel qui connaît le cœur de celui qui sème, il multipliera cela. Il est devenu beaucoup plus puissant. Bien-aimé, laisse un peu ton porte-monnaie. Mets-lui donc sur la plante de tes mains. Si le pomme de tes mains plutôt, excusez-moi. Le pomme de tes mains. Mets-lui donc sur le pomme de tes mains. Oh my God. Mets-lui donc sur le pomme de tes mains. Alors que tu as mis l'huile sur le pomme de tes mains, bien-aimé, tu vas prier pour que tu deviennes puissant financièrement. Tu veux la multiplication dans tes entreprises. En ce 9e mois d'enfantement, bien-aimé, mets Dieu à l'épreuve.
J'ai dit, mets Dieu à l'épreuve. Tu verras la multiplication. Il y a une orientation spéciale par rapport à cette sémence. Seigneur, je veux te mettre à l'épreuve. Que l'Éternel ouvre les portes. Que les portes s'ouvrent. Que l'onction d'Ésaïe 47, verset 2, puisse agir en ta faveur. Que les portes s'ouvrent en ta faveur. Et que tu puisses recevoir une puissance financière. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Quand la puissance financière arrive, les limitations sont brisées. Les limitations sont brisées. Fire! Les limitations du côté de ton père, du côté de ta mère, sont brisées maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce taux que nous avons prié pour, tu vas faire l'aspersion du sang de Jésus dans ta maison. En commençant par les poignets de ta porte d'entrée, tu vas faire l'aspersion du sang. Vous connaissez cet acte prophétique. Vous faites l'aspersion dans toutes les pièces, dans ta maison. J'ai dit bien, si tu es dans ta maison, si tu n'es pas encore dans ta maison, fais-le dans l'espace où tu occupes, dans la chambre. Si tu es dans ta maison, fais-le. Si tu es dans ton bureau, attends que tu arrives dans ta maison. Tu peux faire aussi l'aspersion dans ton bureau. Quand tu es tout seul, tu fais l'aspersion du sang de Jésus. Nous avons prié pour ce taux et nous avons dit que ce taux devient le sang de Jésus. Tu vas prendre ta Sainte-Seine maintenant. Alors que cela a été consacré, tu vas prendre le corps et le sang de Jésus. Pendant ce temps, la modératrice me donne le coordonné du ministère. Pendant ce temps, nous recevons le coordonné du ministère. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce live, nous allons faire cela. Demain, aujourd'hui même à 6h, à 12h, à 18h, à 21h, et nous allons faire cela pendant 3 jours. J'ai dit 3 jours. 3 jours. Voici le coordonné du ministère. Plus 225 05 75 37 03. Le dernier chiffre, je ne l'ai pas vu. S'il vous plaît, redonnez-moi les numéros parce que je vois 03 3Y. Je ne comprends pas. Voilà. Merci. Donc, je répète, c'est un numéro WhatsApp, plus 225, 05, 75, 37, 03, 36. Gloire au Seigneur. Pendant 3 jours, nous allons faire ce live. 6 heures, d'accord? 12 heures, 18 heures, 21 heures. Et minuit, vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir l'enfantement. Vous allez enfanter un coucher de votre miracle. Et ça sera forcé. Ça ne se négocie pas. Forcé. Même par césarienne prophétique et spirituelle, ça sortira. Je dis ça sortira. Chers amis de Paris, ce dimanche, nous sommes là pour consacrer le mois. 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, 16h avec ta terre.
matériel prophétique, ça sortira. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que je parle à un révolutionnaire ici? Tu enfanteras, que la terre le veuille ou pas, tu enfanteras. Et je m'adresse à toutes les femmes qui attendent des enfants. Tu enfanteras, tu tomberas enceinte. Établis ta semence, je te parle. Je te parle de la part du Seigneur. Tu verras comment cela sera multiplié. Tu enfanteras. Par n'importe quel moyen, tu enfanteras. Même par césarienne, l'enfant sortira. Les bénédictions retardées doivent s'arrêter. Des exaucements retardés doivent s'arrêter. J'ai dit les exaucements retardés doivent s'arrêter. Je me fais à cela. Je me fais à cela. Je me fais à cela. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me fais aux bénédictions retardées. Oh my God. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un ici. Que toutes les bénédictions qui étaient retardées dans ta vie prennent fin maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ta semence criera pour ton enfantement. J'ai dit ta semence criera pour ton enfantement. L'enfantement miraculeux. Bien-aimé, dans le domaine que tu fais la multiplication, quand tu fais ta semence, donnez-moi le numéro du ministère, s'il vous plaît. C'est dans ce domaine, tu vas écrire les domaines que tu veux voir la multiplication fois 100. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas, mais j'ai une sainte colère dans mon esprit. J'ai une sainte colère. C'est lui qui osera s'élever contre toi. Bien-aimé, on comptera le nombre des morts. Je parle tant qu'à moi de Dieu. Les persécuteurs entêtés, on comptera le nombre de morts de ta famille. Parce que Dieu ne va plus jouer. Je répète les numéros. Plus 225 05 75 37 03 36. On comptera le nombre des morts. Celui qui osera encore, il verra que tu seras un Dieu redoutable. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus. C'était un privilège pour moi de vous souhaiter un nouveau joyeux et béni mois. Le mois de l'enfant. J'accoucherai de mon miracle au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit votre partage, cher ami. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.